Joseph Lambert, il a un geste plutôt assuré. Il a commencé par clouer. C'est un geste qu'il a tiré de son père qui était cordonnier. Il cloue à foison. Il n'est jamais avare sur la quantité de matière et il utilise des milliers et des milliers de clous pour fixer les planches de bois entre elles. Et puis il s'est mis après à écrire, à faire son tricot de mots. Il écrit des petites phrases sur sa vie. Il boucle et reboucle, change parfois de couleur pour raconter une autre histoire. Les différents signes s'accrochent les uns aux autres pour former une sorte de phrase virtuelle. Il répète, refait et continue d'écrire une sorte de récit abstrait. Il fait apparaître des couches, des sortes de strates géologiques dans la glaise du texte. Joseph met bout à bout, mot à mot, et refuse de jeter ce qui peut encore se créer. Éric de Rochette, c'est une personne très discrète et silencieuse. Il a un geste de traçage très systématique et répétitif, comme s'il faisait ça en une respiration ou en embasement. Il passe son crayon de la main droite à la main gauche et ça crée une sorte de poumon végétal. C'est un geste tellement régulier et doux qui n'est pas vraiment dynamique. Qui peut y passer des heures sans s'arrêter. Laura, quand elle enrobe ses statues ou ses objets, on a l'impression qu'elle tisse une toile. Elle a ses doigts qui sont hyper agiles, très longs, tant qu'on dirait une araignée qui se faufile entre les fils et qui continue à tisser sa toile encore et encore et encore. Et c'est quelque chose de très serré, très... Même si ses doigts sont très fins, le résultat final, on a quelque chose d'avoir quelque chose de très puissant. Irène Gérard, elle vient de la région de Malmedy. Elle ne cherche pas à la ressemblance absolue et elle a une manière bien à elle de délimiter et d'assembler ces espèces de territoires, de morceaux, pour former une peinture finie.
تعريف بعتقد أهم شي باللي عملناه هو إنه تعرفنا على ثقافة بعض وعلى طريقة تفكير بعض أكتر وأكتر. De fapt, am descoperit multe despre cultura voastră în ultimul timp. Luând cina împreună, împărțind rețete, ieșind din oraș,
Și totuși am învățat și unele expresii în arabă. Și le-am folosit în timp ce lucram cu voi. شو رأيك بأنك تتعلم عربي؟ îmi place că sună diferit față de ceea ce sunt obișnuit. Din această experiență chiar am găsit unele similarități în vocabular. Dacă vrei, pot să te învăț și eu română. بقول لك ما ضروري نكون عن جد نفهم لغة بعض نتواصل في كتير قصص بحياتنا اليومية بأفعالنا بكذا الشغلة بنعملها هي بتدل نحن مين وفينا نتفاهم مع بعض بهالطريقة يعني سنة بينا شتي كارم بلاتش من كارا فاسترا من كارا لبانيزا كومبيناتيا دي كولوري دولشي كو أكريشور فورمالي condimentele. Parcă toate compun un colaj mare, un patchwork. Mi-amintește de felul în care bunica mea obișnuia să combine materiale ca să facă haine. Tăia materialul, îl aranja puțin și le cosea. Încă pot să aud sunetul mașinii de cusut pe care o păstrează și în ziua de azi. ذكرتني بالايام الحلوه وقتها كنا نروح عند تيتا لعيد الميلاد ونقعد نتعشى كلنا سوا نعطي لبعض الهديه كانوا ايام حلوه واكيد كانت تيتا تهدينا الهديه هي كانت تعملها كنا نحن بين بعض نقعد نتخانق على مين كان عنده ابشع واحلى احلى هديه وهلا اليوم نضحك على هول الامور على كل جمعه على كل عيد وعلى كل غدا وعشاء بعتقد بتذكرها كل ما بشوفها الهدية اللي تركتها ذكرى منها بعتقد رح يجي نهار وبكرة أنا بدي أهدي أولادي وأحفادي هيك هدايا تا ينبسطوا مثل ما نحن كنا مبسوطين بعاد عن كل هدول الهدايا الجديدة والأساس الماء العازي Și totuși, cred că ar trebui să-ți păstrezi cu tine amintirile oriunde ai merge în lume și să le împarți cu ceilalți. Poate asta te va ajuta să descoperi și să ajuți oamenii să te înțeleagă mai bine. De fapt, acest schimb cultural cu alte culturi, cum ar fi libaneze sau română, poate fi un limbaj pe care toată lumea îl înțelege.
there.